Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live. Bonjour Guillaume. Hey, salut Pierre, bonjour tout le monde. Alors, on rappelle un peu les règles du live, hein. Vous êtes bien sûr conviés à commenter. Si vous avez des questions pendant la présentation, on va essayer de regarder ce que vous pouvez commenter et puis répondre en direct. C'est le but, hein, c'est d'interagir avec vous. On rappelle aussi que tous les lives sont disponibles en replay. Donc sur la page de Facebook SwissLens, en fait sur la page facebook.com/swisslens/live. Donc vous pouvez cliquer sur tous les liens et les revisionner, puis commenter aussi, hein, on reçoit les notifications pour y répondre tous, donc avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, Guillaume? Alors aujourd'hui, on va parler du premier rendez-vous quand on fait une adaptation en lentille sclérale avec la Scleraflex Mini, donc une sclérale de petit diamètre, 15 mm. Et puis on va détailler un tout petit peu qu'est-ce qu'on fait, un peu la procédure, qu'est-ce qu'on attend jusqu'à la première commande de la première paire. D'accord. Alors, quelles sont les indications principales, hein, pour adapter en sclérale? Alors, les indications principales, on peut les voir ici, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qui est déformation majeure de la cornée, donc kératocone bien sûr, DMP, les post-greffes, les ectasies. Alors ça, c'est, on va dire, les cas presque classiques qu'on attend pour les sclérales. Après, il y a aussi sur la Scleraflex Mini, ce qui est intéressant, c'est pour les porteurs de lentilles rigides qui ont un peu un problème de confort, un peu un problème surtout vis-à-vis de l'environnement, hein, ça marche très bien. Après, on a aussi des cylindres qui sont cornéens ou voire même internes qui sont très élevés. L'avantage de la sclérale, c'est que la lentille est très stable. Donc D'accord. pour corriger les astigmatismes, c'est hyper confortable. Oui, ça, on s'affranchit de tout le problème de stabilisation d'une lentille cornéenne. Oui, exactement. Ouais, c'est ça, ça. Une fois on va voir un peu plus loin, qu'on note les axages et tout ça. Après, une lentille sclérale, ça bouge pas. Hein. Une fois que vous l'avez posée, une fois qu'elle a trouvé sa place entre guillemets, après, elle bouge plus. Donc, pour mettre en place des cylindres un peu importants, ça marche très bien. Sécheresse oculaire. Alors oui, je ne l'ai pas mis là pour une raison un peu assez logique. Les sécheresses oculaires, ça marche bien en sclérale. En première intention, la diamètre 15, c'est une bonne idée pour les sécheresses. Après, souvent, on passe sur des lentilles un peu plus grandes pour protéger le maximum de la scléra. Après, le problème de la lentille plus grande, c'est les problèmes de manipulation. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas mis dans ce cas-là parce que voilà, c'est un petit peu plus particulier et c'est surtout qu'en fait, c'est off-label. D'accord. Comment se passe l'adaptation donc en lentille sclérale? Qu'est-ce que tu recommandes par rapport à notre lentille? Alors, c'est assez simple. L'idée de cette première de cette lentille, c'est d'aider l'adaptateur qui souhaite se lancer dans des lentilles sclérales ou qui a des porteurs qui sont un petit peu plus un peu réticents. Donc cette lentille-là, l'avantage c'est qu'elle est très simple à adapter, à choisir la première lentille. Donc elle se fait sur boîte d'essai uniquement. Le choix de la première lentille c'est un récapitulatif dans le tableau qu'on voit. Ça se fait de façon assez instinctive. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a compris un tout petit peu comment fonctionnait la boîte et que ce qu'on doit regarder, bah, très vite on comprend laquelle il faut choisir. Ça se classe de S, M, L, XL. Comme des vêtements, c'est des tailles. Alors, ce n'est pas des diamètres, puisque c'est un seul diamètre, c'est des profondeurs. D'accord. Le sag sur le côté, donc c'est la profondeur de la flèche en micron. Exactement. C'est la profondeur de la flèche en micron. Alors, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. En fait, c'est pour ça qu'il y a les deux. Il y a le sag ou le code non, on va dire. Ça, c'est en fonction de chacun. Certains préfèrent travailler en micron, d'autres trouvent ça un peu trop compliqué. Pour nous, c'est la même chose, hein. Les deux sont indiqués et sur les boîtes
et dans le et sur Dans le les mode d'essai. étiquettes et sur le ouais et puis sur les le site de commande aussi, on verra un peu plus loin. D'accord. Juste pour être précis au niveau du choix de la première lentille, on voit M1, M2, M3 et sur la gauche, œil normal qui est plutôt vers M1, kératocone débutant M2 et ça n'a rien à voir. En fait, c'est toute cette catégorie œil normal, kératocone débutant et DMP débutante qui sont dans la catégorie M. Et ensuite, on met la lentille que l'on souhaite, mais c'est pas l'œil normal qui est attaché à la M1. Exactement, oui. Ouais. En fait, donc le problème, c'est une question de taille d'écriture. Il faut vraiment se dire que, voilà, en fonction de ces indications, on choisit un groupe. Donc, c'est M, S, L, XL. Une fois qu'on a choisi ce groupe, le plus simple, c'est de partir par celle du milieu, c'est-à-dire la 2. C'est-à-dire que si vous avez un kératocone débutant, commencez par une M2. Et puis, vous la posez, vous regardez ce qui se passe. Ça c'est la première étape. Si vous avez une greffe extasiée, ça sert à partir plutôt sur une XL2. Et puis après, en fonction de ça, voilà, c'est toujours, moi je vous conseille vraiment, vous choisissez la lettre en fonction de du groupe d'indication. Et ensuite, vous commencez par le numéro 2 et ça vous donne déjà un premier pas pour commencer. Oui, puis je crois qu'on voit un peu plus loin que du coup, on vient évaluer le premier choix de lentille aussi en fonction du profil cornéo-scléral. Exactement. Les indications qu'on a indiquées dans le tableau, c'est vraiment des indications. Ce qui va faire le juge de paix dans le choix de la lentille sclérale, c'est vraiment ce que vous observez. Donc en fait, là, vous voyez, j'ai mis deux photos d'œil de ce qu'on observe. Donc on regarde vraiment le profil cornéo-scléral, la forme générale de l'œil. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à savoir ce qu'on va adapter. Ça, c'est vraiment indispensable. C'est-à-dire que juste se baser sur une indication pour choisir une lentille sclérale, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment regarder, faites-vous confiance, vous êtes des adaptateurs, on sait enfin voilà, vous avez l'habitude de voir des yeux, vous savez ce que c'est un œil avec un kératocone, avec un œil normal par exemple aussi, ça c'est très important de savoir une représentation. Une fois que vous avez ça, voilà, après vous faites votre choix et vous posez. Oui. Et concernant les appareils qui existent pour faire une topographie, utile, pas utile? Alors, les topographes classiques, on va dire, c'est moyennement utile. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'ils font une mesure sur 4 mm de diamètre en moyenne. Le problème, c'est qu'une lentille sclérale, on est au minimum 15. En fait, ce qui se passe au centre, finalement, c'est moins intéressant. Plus ça va, plus les appareils commencent, parce que les lentilles sclérales se démocratisent, ont tendance à... Enfin, les nouveaux appareils topographiques arrivent à faire des mesures sur des diamètres plus grands. Et même certains, alors c'est très particulier, arrivent à faire des mappings de la partie sclérale. Alors il n'y en a pas beaucoup sur le marché, c'est des appareils encore un peu chers, mais petit à petit on va y venir. Donc pour l'instant on peut utiliser, on va dire, sur l'adaptateur qui a juste une lampe à fente et un kératographe, où il n'y a pas besoin finalement de la topo. D'accord. Donc, on reçoit la personne pour le rendez-vous, on identifie que cette personne serait potentiellement équipée en lentille sclérale. On choisit cette première lentille en fonction du profil cornéo-scléral et puis on la sort de la boîte d'essai et puis là, on la met. Ouais, c'est le gros avantage aussi. C'est que le fait d'avoir une lentille, une boîte d'essai, tout de suite, même si c'est le premier rendez-vous de votre patient, vous pouvez lui montrer tout de suite, savoir ce que c'est une lentille sclérale et puis même lui faire un test, même si c'est juste pour un ressenti, une sensation. Ça, ça peut être très intéressant pour certains patients qui sont un petit peu, on va dire, qui ont un peu peur de ce qui se passe. Une lentille sclérale, un grand diamètre, ils ont toujours un peu tendance à avoir peur de la terminologie. Par contre, là, si vous pouvez lui faire le test, il voit que c'est très confortable et ça va tout de suite. Et tout de suite, vous pouvez le faire. C'est très rapide, finalement. Là, on voit les deux possibilités pour poser une lentille sclérale. Soit on utilise un outil qui permet de poser la lentille et puis le tenir juste avec deux doigts, soit avec on pose la lentille directement sur trois doigts, moi je vous conseille, si jamais vous le faites comme ça, et puis ça permet de poser. En première intention, même pour vos patients, moi je préfère qu'ils adaptent, enfin qu'ils s'apprennent à manipuler avec le support de pose dans un premier temps, parce que c'est déjà assez stressant, il y a déjà pas mal de choses à apprendre en même temps.
Les doigts, ça demande un petit peu plus d'habitude. Après, vous pouvez leur montrer, c'est même une très bonne idée de leur montrer une fois qu'ils savent manipuler avec l'outil, avec le support. C'est montrer avec les doigts, c'est aussi bien. Ouais. Le support scléral, on le fournit avec les paires de lentilles. Toutes les lentilles qui sont envoyées, toutes les premières paires sont envoyées avec un support de pose. Ouais. Ouais, donc c'est quand même c'est intéressant de le montrer et puis d'apprendre à la personne à le manipuler pour qu'elle soit autonome ensuite. Et puis c'est Exactement. comme tu le disais, c'est plus facile de manipuler avec le support de lentilles. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse qu'on vous montre en vidéo comment s'en servir et puis vraiment le présenter la technique? Dites-le nous, hein, en commentaire si vous voulez une petite démo en direct. Une fois que la lentille est posée, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, avant de la poser, on voit hein, sur les photos, on la remplit de solution saline et on met une goutte de fluo à l'intérieur pour vraiment avoir cet effet jaune. Et il y a deux choses à vérifier tout de suite. Un, c'est celle qui est en bas à gauche, c'est l'absence de bulles. Là, on voit très bien qu'il y a une bulle. S'il y a une bulle, il faut enlever la lentille et la reposer. Il n'y a pas de, on ne peut rien tirer comme conclusion avec une bulle. On ne sait pas les appuis, on ne sait rien. Et puis ensuite, là, ce qu'on obtient, ce qu'on essaie, on essaye d'obtenir, c'est la deuxième photo. C'est-à-dire que voilà, la photo où on voit, là, les yeux sont jaunes, oui, parce qu'il y a la fluo, en lumière blanche, hein, ça suffit. Et puis là, on regarde juste qu'il n'y ait pas de bulle et qu'il n'y ait pas de contact. Si vous avez un contact, ça se voit très vite. Vous avez une zone noire, sans fluo. Donc là, ça veut dire qu'il y a un contact. Donc D'accord. ça, c'est vraiment se faire, même sans lampe à fente, à l'œil nu, on va dire. Que si vous avez par exemple un stylo lampe avec une lumière bleue, ça c'est encore mieux, mais finalement vous n'avez pas forcément besoin. Juste comme ça, on voit tout de suite si au moins la lentille ne touche pas, et puis là on peut laisser faire attendre un peu son patient parce que pour l'instant, une fois que ça c'est bon, maintenant on comme ça. D'accord. Donc, il patiente 1 heure, et puis ensuite, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Alors, on fait une sureff, première chose. Alors, avant de faire, je ne vous ai pas noté, parce que vraiment, la sureff, à mon avis, voilà, c'est une sureff avec lentille d'essai, avec lunette d'essai, pardon. Et puis, comme ça, on cherche l'acuité la meilleure. Une fois la sureff, on évalue la distance cornée-lentille. Donc, l'objectif de l'avoir après 1 heure, c'est une fois la sagittale. La cornée et la lentille de 200 microns, donc à peu près entre voilà, une demi-épaisseur cornéenne ou à peu près une épaisseur de lentille. Toutes les lentilles de la boîte sclérale font 200 microns. Donc si elles font si l'épaisseur de l'arme est de 200, 250, ou équivalent à la lentille, après 1 heure, c'est parfait. Ok. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à la pause. Donc enfin à la pause, après 1 heure. Donc ça, même lors du premier rendez-vous, bon, il faut le prévoir un peu, bien sûr. Ça, c'est toujours un peu problématique, mais très souvent, très rapidement, en prévenant, vous dites voilà, il faudra attendre 1 heure. Il faut pas s'inquiéter, c'est très confortable pour le patient, donc il n'y a pas de problème pour lui de patienter. Il voit peut-être pas très bien, ça c'est une des choses, mais ça il faut juste le prévenir. Et puis voilà, là on observe, hein, on coupe fine, on voit la lentille, le film de l'arme et la cornée derrière. Et ça voilà, ça c'est vraiment. Donc là on l'a fait un grossissement assez fort. Pour montrer, vous n'êtes pas obligé d'aller si fort, mais quand même, ça vous permet de passer sur l'ensemble de la cornée avec ce genre de coupe qui va nous permettre de voir ce qui se passe. De toute façon, en fait, il attend 1 heure, mais avec ce genre de lentille, il est tout à fait confortable. Oui. Ouais, c'est au niveau du confort, ça a rien à voir avec les autres lentilles rigides. Il n'y a pas de douleur. C'est même quelque chose qui est intéressant à le prévenir. Et même pour vous, c'est si un patient se plaint de douleur avec une sclérale, chose. Si il ressent qu'il y a une lentille, oui, mais il n'y a pas de douleur avec les lentilles sclérales. Ouais. Alors il y a Carole qui veut bien une démonstration pour la pose de lentilles sclérales. Donc on programme ça pour un prochain live et puis on fera ça avec Guillaume en direct. Hein, il sera avec moi. Ouais, Et puis il allez. manipulera sur moi, ça ira bien. Voilà. On s'en.
plaisir quand on organise effectivement un live pour savoir comment on pose. Et puis on fera du coup, on va, moi je propose qu'on fasse même le reste. C'est-à-dire que on pourra faire le premier examen en live. Je viens te voir et puis on fait ça à ton cabinet, comme ça on a tout ce qu'il faut. Oui, on fait l'examen complet, donc pose de la lentille pour montrer un peu comment manipuler, et puis ensuite l'examen lampe à fente, parce que justement, comment tu obtiens ce genre d'image avec pour évaluer la clairance de la lentille? Alors, ce genre d'image, c'est assez simple dans un sens. C'est que vraiment, on ferme la fente, on met de la lumière blanche assez forte, il faut une intensité assez haute, et puis on ouvre doucement la fente. Et dès que vous avez la première fente, la première lumière, on va dire, on voit cette image-là. Si vous faites plus grand, ça, c'est plus une fente, c'est une coupe paralipipédique. Donc ça. Et alors après, ça c'est un peu problématique parce que du coup on se retrouve avec, c'est plus compliqué à évaluer. Là on est vraiment dans une fente, on voit c'est une fente fine, donc c'est vraiment, on ferme la lumière et à la première lumière, c'est ce que vous avez. La première apparition de la lumière, c'est la coupe. La coupe optique, ouais. Donc après c'est un geste qui est facile, mais c'est vrai qu'il faut savoir comment placer le système d'éclairage, le système d'observation pour être le plus juste possible au niveau de l'évaluation. Et c'est vrai que je conseille, en général, je conseille de mettre le système d'éclairage en face et de déplacer le système d'observation et pas le contraire. C'est-à-dire que c'est l'observateur qui bouge et plus le système d'éclairage. Et comme ça, vraiment, quand vous êtes bien en face, et vous, enfin, la lumière bien en face et vous sur le côté, sur un angle de 45-50 degrés, on est dans ces idées-là. Là, vous allez voir vraiment ce qui se passe et puis ça permet de vraiment évaluer de façon très précise ce qui se passe au niveau de la sclérale. Ouais. Donc, on a attendu une heure, on a évalué notre clearance. Quel est le genre de cas qu'on peut rencontrer? Du coup, là, on voit que la lentille touche. Exactement. Là, ça se voit. Alors, en plus, on le voit aussi bien, vous voyez, sans fente. Alors, on le voit en fente à gauche. Et puis, sur les deux autres images, on voit bien, c'est le même. Donc, on voit bien où est-ce que ça touche. Et on voit qu'il y a un appui central sur le sommet du cône. Voilà, là, il n'y a pas de négociation. Enfin, voilà, il n'y a pas à se poser de questions. La lentille touche, ça ne va pas. Les lentilles sclérales, c'est une lentille sclérale, ce n'est pas une cornéosclérale. Il n'y a vraiment aucun appui sur la partie cornéenne. Donc là, il faut changer la flèche. Alors, cette observation, après une heure, et qu'il faut changer la flèche, vous n'avez pas besoin de refaire une heure. Vous avez vu ce qui s'est passé au bout d'une heure. Et là, avec ça, vous pouvez quand même, vous savez que lorsque vous allez commander votre lentille, vous allez déjà prendre en compte le fait que celle que vous avez essayé à toucher. Donc en fait, il faut prendre un pas un peu au-dessus. Vous aviez une M2, on passe à une M3, par exemple. Oui, parce que les études nous précisent qu'en fait, en une heure, on a environ 50% du rapprochement qui s'est effectué. Oui. Par rapport à une journée complète. Exactement. C'est la première heure qui fait tout, en fait. Hein. Alors après, il faut nuancer, des fois, de temps en temps, et ça peut arriver que un peu plus tard dans la journée, ça s'enfonce un peu encore. Mais les études montrent statistiquement qu'effectivement, les 50%. De l'enfoncement de la lentille sclérale se passe pendant la première heure. Ouais. Dans l'autre cas, là c'est un problème de flèche bien trop importante. Oui. Et alors ça, il faut faire attention parce que souvent, c'est les cas qu'on rencontre le plus souvent, entre guillemets, sur les adaptations. Parce que tous les adaptateurs, moi le premier, j'ai toujours peur que la lentille touche. Donc je préfère, j'ai tendance à être assez généreux, surtout au début. Et le problème, c'est que du coup, on obtient ces images-là. Donc en fait, on voit sur l'image de gauche, on a la lentille, toujours l'épaisseur de l'arme et puis la cornée. Et si on évalue, là, on est pratiquement à 600 microns d'épaisseur. Alors, dans un sens, on se dit oui, mais c'est pas grave parce que du coup, ça touche pas la cornée, donc c'est pas dangereux. Alors, dans un sens, c'est vrai. Par contre, ça crée beaucoup plus de problèmes finalement à côté qui sont très différents. Vous avez un effet de succion qui est une première chose. Vous avez du coup l'appui scléral qui est mauvais. Le déca qui chute. Il y a des études qui montrent. Hein. En fait, c'est le grand truc, c'est que
au-dessus d'un DK de 200, 250, au-dessus d'une flèche de 250, 300, les DK chutent drastiquement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester très très vigilant vis-à-vis de ça. Et ne pas, voilà, c'est pas bon de toucher, mais c'est pas bon d'être beaucoup parce que du coup, ben, les dégâts chutent et puis du coup, ça vient, on commence à être dans l'hypoxie après. Donc là, si on précise un peu comment évaluer, enfin comment observer, donc ce qu'on voit ici entre l'arc vert fluo et la partie blanche lumineuse, ça c'est l'épaisseur de la lentille. Ensuite, on a l'épaisseur de la fluo, la partie verte uniforme, et puis une partie un peu plus grisâtre derrière qui est la cornée. Donc on peut évaluer le film de l'arme ici à peu près 3 fois l'épaisseur de la lentille, hein. On est quasiment à 600 microns, n'est-ce pas? Oui, là on voit, alors en plus sur cette image-là, c'est pour ça que je la conserve, c'est que, alors, il y a deux écoles, hein. Soit vous vous basez sur l'épaisseur de la cornée pour évaluer l'épaisseur du film de l'arme, soit sur celle de la lentille. Alors, sur les lentilles de boîte d'essai, l'avantage c'est que c'est des épaisseurs constantes, quelle que soit la lentille, c'est 200 microns, donc en fait, vous avez une mesure très précise. Par contre, sur cette image-là, moi je trouve qu'elle est très intéressante. Parce on voit aussi bien la cornée très, très, très nettement, et puis une cornée, elle fait 550, entre 500 et 600 microns, on va dire 550. Là, on voit que c'est au-delà de ça. Donc tout de suite, ça confirme. C'est-à-dire que même si vous n'utilisez pas que la cornée ou que la lentille pour évaluer le film de l'arme, l'utilisation des deux et un comparatif, bah, c'est top. Après, si vous arrivez, vous avez une lampe à fente avec photo, vous arrivez à prendre ce genre de photo, vous utilisez les logiciels qui existent pour faire les mesures d'épaisseur, et là vous avez l'épaisseur exacte. Donc c'est encore mieux. Ouais. D'ailleurs, pour rebondir sur l'épaisseur de la cornée, alors oui, dans le cas d'une cornée irrégulière, il peut y avoir des différences d'épaisseur, mais souvent c'est le cône qui est plus mince. Sur la partie supérieure de la cornée, en général, ou qui n'est pas touchée par le cône, on est sur des épaisseurs plutôt standards. Ça, on le voit sur les pachymètres. Oui. Oui, c'est pour ça que pour moi, l'utilisation de l'épaisseur de la cornée, alors effectivement, il faut bien prendre au bon endroit, mais en soi, c'est quand même assez intéressant à faire parce que ça peut être plus facile que juste l'épaisseur de la lentille. Des fois, l'épaisseur de la lentille, c'est pas facile à voir. La cornée, en général, on la voit très bien. Donc, c'est quand même une super aide, hein, la cornée. Ouais. Sur la droite, on voit que la cornée ici est plus fine, un peu en inférieur. Donc là, il doit y avoir une présence de cône. Exactement, ouais, ça c'est un kératocone. Et là, typiquement, on voit, même là, on voit que de toute façon, la lentille est beaucoup trop, enfin, l'épaisseur de l'arme est beaucoup trop grande, parce qu'on voit un peu la lentille, on voit aussi un peu la cornée. On est largement du double, enfin, on est 3 fois la lentille, 4 fois la lentille même. Donc là, on est pratiquement à 800 microns. Donc, si on continue à avancer, donc là on a 3 cas différents. Alors vas-y, explique-nous un peu le cas numéro 1. Quel est Alors, cas numéro ton... 1, c'est l'adaptation parfaite. Enfin, c'est ce qu'on veut après 1 heure. C'est-à-dire qu'on voit la lentille, on voit l'épaisseur de la sclérale qui fait 200, on voit l'épaisseur du film de l'arme, on voit une épaisseur de la cornée derrière, mais déjà, voilà, on a vraiment le cas qu'on veut après 1 heure de port, 200 microns, c'est parfait. Le cas numéro 2, c'est on le voit, il y a un appui, donc bah, Donc ça va ici, pas. hein, là vraiment, il n'y a plus de film de larmes en fait, sur Ouais, cette partie-là, et on voit que ça touche. Ouais. on voit que ça touche. Et la troisième, c'est. Alors, celle-ci, elle est un petit peu particulière. Il est prismatique. Donc, ça, c'est un cas qui est assez particulier. Mais au-delà de ça, on voit que, au-delà de ça qu'il soit prismatique, là, la partie sag est trop haute. Et après 1 heure, on est un peu trop haut. Donc, on est plutôt à 400 microns, là. Donc, on aurait tendance à se dire, celle-ci, elle est un petit peu haute après 1 heure. D'accord. Donc partie prismatique, pour expliquer, donc c'est la partie du film d'alarme qui est plus fine en haut qu'en bas. En bas. Ouais. Donc ça Donc ça suggère c'est un décentrement de la lentille vers le bas. exactement. C'est vraiment la lentille est décentrée vers le bas. On en parlera un petit peu plus loin, mais en fait, donc ça c'est un cas qui arrive, on va dire dans. Alors il arrive souvent dans le cas aussi où la flèche est trop haute. Donc en fait, là c'est un effet mécanique. Hein. C'est la lentille étant plus éloignée que nécessaire de la cornée, l'effet de la paupière supérieure la fait tomber. Donc on a un prismatique qui est assez. En souvent, les effets prismatiques, vous avez deux choix. La première étape, c'est vérifier la flèche. Si elle est trop haute, on la diminue pour vraiment et ça la recentre.
Si c'est pas suffisant, après on met des asymétries en périphérie pour recentrer l'antis, on en parle un peu plus loin. Donc on a fait notre observation de l'épaisseur du film de larme. Ensuite. Donc là maintenant, on observe ce qui se passe sur la sclère. On a dit que sur la partie centrale, voilà, on voit que c'est vraiment en partie, enfin, on est tranquille, on va dire, il y a la flèche, alors tranquille. On sait ce qui se passe sur la partie centrale, maintenant on regarde ce qui se passe sur la partie périphérique, sur le limbe et sur la périphérie. Là, c'est une image que moi j'aime bien parce que on voit très bien l'empreinte de la lentille. Donc on voit vraiment la lentille, où est-ce qu'elle l'a posée. Donc c'est juste au retrait. Hein, là. Donc normalement, on observe avant de retirer, mais celle-ci, elle est vraiment particulière. Donc c'était pour vous montrer vraiment ce qui est possible. Et en fait, sur la lentille, quand vous avez la lentille sur cet œil-là, vraiment, on a cet effet vraiment d'enchâssement de la lentille dans la sclère. Il y a un blanchiment, il y a des interruptions vasculaires, il y a presque même des rougeurs. On voit sur le côté gauche, pardon, sur le côté droit, on voit vraiment au gauche aussi, et on voit vraiment des rougeurs bien marquées. Donc blanchiment, on est d'accord là, tu me corriges hein, si c'est bon, mais c'est cette partie-là en fait entre les mini vaisseaux Exactement. sur la droite qui ont compris, bah, qui se sont gorgés de sang, qui étaient interrompus, et puis le blanchiment, la partie, le bord de la lentille qui s'est enchâssé ici. Exactement. Ouais. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est lors de la commande, voilà, on a au niveau du dégagement, vous avez différents grades, et puis en fonction des grades que vous obtenez, enfin que vous observez, on ouvre plus ou moins. Donc, par exemple, une lentille qui a des difficultés à être enlevée, il faut passer à un plus. S'il y a un blanchiment, on passe à 2 plus. S'il y a des interruptions vasculaires, 3 plus. Interruptions vasculaires des gros vaisseaux, 4 plus. D'accord. C'est tout simple. Hein. C'est vraiment, alors c'est un grade, voilà, c'est dans ce cas, dans cet ordre-là. Voilà, faut pas hésiter à regarder ça. Donc là, si je modifie cette périphérie sur la lentille scléraflexe, est-ce que je dois compenser ma flèche? Non, non, c'est calculé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a créé en créant les mathématiques de faire la lentille, j'ai pris en compte le fait que dès qu'on modifie la périphérie, on compense en centrale. Une fois qu'on s'est occupé du central, en fait, l'idée, c'est qu'on s'en occupe plus. Et après, on gère la périphérie, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, en fait, une fois que vous avez déterminé votre flèche, quoi qu'il se passe dans la périphérie, c'est compensé. D'accord. En fait, tout est compensé sur la lentille, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand tu modifies la flèche de la lentille, ça ne modifie pas non plus la réfraction. Non. Alors par contre, attends juste une chose, c'est que je vois que je suis de plus en plus élargi sur la présentation. Ah, c'est vrai. Bon. Alors on va bientôt voir plus que moi. Ah, mais t'es C'était très très grand intéressant, là. mais je pense. Ouais, il faut que tu me réduises un peu, s'il te plaît. C'est la magie, ça. Qu'est-ce que tu fais aussi grand? On va regarder, voilà. Bon, je te cale ici, hein. Ouais. Voilà, ça y est. Donc, j'ai oui, tout pensé. C'est-à-dire que si on change de flèche, alors si, alors il y a juste une modification à faire. Dans le changement de flèche, chaque élévation d'un pas entraîne moins 0,50 de compensation sur la puissance. Parce que voilà, c'est un changement de rayon, des choses comme ça. Quand on modifie les périphéries, par contre, ça, c'est indépendant. Tout est en indépendance. Donc en fait, par contre. Voilà, moi je l'ai compensé sur tous les calculs pour que quand vous le faites, quand vous le modifiez, ça change rien. Parce que quand vous ne prenez pas la tête, savoir si ça va retoucher, non. Une fois que vous avez déterminé le central, voilà, vous touchez la périphérie, il n'y a plus de, y a plus de modifi... y a, y a pas de modification à prendre en compte pour vous. D'accord. Donc on modifie la périphérie, ses besoins. Et il y a d'autres options encore sur la lentille. Exactement. On parle toujours de la périphérie. Tout à l'heure, je vous ai montré où là, vraiment, la photo, on voyait que le resserrage des vaisseaux, pardon, était vraiment sur 360 degrés. Donc là, on modifie toute la périphérie. Par contre, souvent, on a des interruptions vasculaires. On voit sur ces photos-là, vous voyez, les petits vaisseaux sont interrompus. Alors, ils sont interrompus sur 3 heures. Donc ça, c'est vraiment assez typique. Ça se
du haut, on voit très bien qu'elle est activée sous la lentille, qui sont coupées, puis qui réapparaissent ensuite. Ça, D'accord. ça donne l'indication de dire, voilà, on doit passer en asymétrie. La lentille asymétrie, c'est vraiment, on n'ouvre que sur 3h, 9h en cadran. Donc ça permet, ben voilà, de libérer ces vaisseaux-là parce que le reste va bien. Comment tu évalues donc les quatre cadrans? Tu fais tout en regard primaire et tu soulèves les paupières pour aller regarder les supérieurs, mais tu fais pas regarder vers le bas ou vers le haut. Non. Tout en regard primaire, parce que problème, enfin, dans ce cas-là, le problème de faire en version latérale ou supérieure inférieure, ça induit des appuis. C'est-à-dire que dans plusieurs cas, même, c'est même assez souvent, dès qu'on a une lentille qui va bien en regard primaire, dès qu'on commence à le faire regarder vers le haut ou vers le bas, vous avez des appuis qui se créent. Ce qui est en fait relativement normal, c'est que la paupière, il ne faut pas l'oublier. On est quand même sur des grandes lentilles qui sont dégagées de la cornée, qui sont assez loin. Alors loin, c'est un grand mot, mais on est quand même à plus de 200 microns de la cornée, entre 200, 150 et 200 microns de la cornée. Et du coup, l'effet des paupières n'est pas négligeable. C'est important de le faire. Alors, c'est important de savoir ce qui se passe. Mais un blanchiment en version, s'il ne se passe rien, enfin s'il n'y a pas de blanchiment en regard primaire, il ne faut rien changer. Parce que c'est vraiment, vous allez du coup créer d'autres problèmes. Ouais. Donc, dans le cas d'une asymétrie, tu conseilles de partir sur une asymétrie de combien? Alors, les premiers, vraiment, faites 0,2 ou 0,3 de valeur, au minimum. Le 0,1, il est très particulier. Il est pour dans les cas où on a besoin de stabiliser des lentilles toriques externes. Donc, ça, on utilise le 0,1 parce que c'est vraiment très peu. Les lentilles de sclérale tore externe, elles sont stabilisées soit comme ça avec une asymétrie de 0,1, si besoin, s'il n'y a pas d'asymétrie nécessaire, on va dire, soit par un prisme ballast. Moi, je préfère l'asymétrie 0,1 pour stabiliser ces lentilles-là. Par contre, si c'est vraiment voilà, dans les cas où on voit derrière des blanchiments, des choses comme ça, passez tout de suite en 0,3. Si la lentille est décentrée vers le bas, comme on a vu tout à l'heure, asymétrie 0,3, c'est le minimum. Comme ça, on voit ce qui se passe et vraiment, ça fait une vraie action. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, en fait, on a tout vu, hein. Je pense qu'on peut récapituler un peu sur le protocole. Donc, première chose, on vient sortir une lentille de boîte d'essai. Ne pas paniquer, je pense qu'on peut sortir n'importe laquelle tant qu'on est à peu près dans le groupe souhaité. Ben, on la met puis on observe. Oui. Il n'y aura pas de catastrophe en une heure. Non. Mais même avant. Hein. Enfin, de toute façon, si vous êtes vraiment trompé, soit vous avez mis une M1 et vous aviez enfin, beaucoup trop plate, et vous allez avoir un appui direct. Vous allez le voir à la pose. Donc là, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien de danger. Vous l'enlevez, vous en apprenez une plus profonde et vous posez la plus profonde. Si vous mettez une trop profonde, trop éloignée, vous allez créer. Enfin, il n'y aura pas d'appui. Enfin, il n'y aura pas de toucher avec la cornée. Alors effectivement, le déca va chuter, mais on est sur un port de lentille de 1 heure. Donc en fait, c'est quand même très limité au niveau de risque. Donc en fait, c'est pas grave. Voilà, c'est pas facile à avoir une lentille trop éloignée sur une cornée. C'est plus facile à avoir un appui. Mais par contre, vous inquiétez pas. C'est voilà, s'il y a un gros appui tout de suite, vous le verrez. Si vous êtes trop loin, bah, vous le verrez pas forcément. Pour rester 1 heure, au bout d'1 heure, vous aurez fait la coupe. Donc, vous saurez tout de suite. On fait la coupe, on évalue à peu près de combien on est trop profond, et puis on soustrait ce surplus. Exactement. Ouais. Chaque pas dans la boîte d'essai, c'est 125 microns. Donc on vérifie toujours après 1 heure de port, hein, on se jette pas sur l'examen après avoir posé la lentille. Et puis ensuite on fait donc la suréfraction sur la lentille d'essai qui permet de commander la première lentille définitive. Oui, exactement. Ouais, il faut. Alors, c'est très important de pas se précipiter. On a tous tendance à vouloir aller vite pour voir ce qui se passe. C'est pas forcément une bonne idée. Souvent, même sur les suréfractions, juste à la pose, ça induit des erreurs. Il y a des modifications. Les lentilles s'enfoncent entre guillemets, enfin, se rapprochent de l'œil sur la première heure. Ça sert à rien de se précipiter avant. Vraiment, vous allez faire des mauvaises. En fait, le problème, c'est que vous risquez de faire des mauvaises observations et du coup, à la fin, commander une lentille qui est fausse.
Donc c'est pas forcément un gain de temps finalement. C'est vrai dans toute adaptation de lentilles, hein. La précipitation n'est Ouais. jamais Ah ouais, bonne conseillère. on a parlé déjà sur les autres dans les autres lives sur l'Ortoca. Voilà, alors c'est plus court, mais là en soi c'est le même principe, hein. Du coup, on peut commander la lentille donc soit par mail, donc lens.order@swisslens.ch, ou sur l'espace professionnel. Oui, dans l'espace professionnel. Alors, le lens.order, c'est vraiment, voilà, c'est comme toutes les lentilles que vous voulez commander chez SwissLens. C'est ce que vous avez besoin, qu'on vous aiguille un petit peu. Alors, surtout, il n'y a aucun problème. Enfin, voilà, avec grand plaisir. Par contre, après, très rapidement, vous pouvez vous faire vos commandes vous-même. Vous avez les mêmes options que nous. Spray, on a trois options en plus, un peu particulières, mais que vous n'avez pas accès forcément, mais voilà, donc là il y a besoin qu'on vous aide, mais sinon le reste vous avez tout, hein. Vous avez les asymétries, les dégagements, vous avez les flèches, vous avez les puissances, cylindres, axes, il n'y a pas de problème. Il y a une option dont aujourd'hui j'ai pas parlé parce que c'est un manque de temps, c'est la sphère d'ajustement. Donc ça c'est un paramètre qui est un peu particulier, je pense qu'on en parlera la semaine prochaine, parce que de toute façon ça s'évalue pas au boulot, lors de la première essai, c'est plutôt à la livraison ou lors du contrôle. Ouais, c'est plus sur une lentille définitive qu'on vient l'observer, le sphère Oui, d'ajustement. exactement. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça, aujourd'hui. Je t'ai perdu, Guillaume. Ah, c'est bon. Vous avez. Ouais. Ah pardon, là c'est vraiment l'interface que vous avez pour la commande en ligne, hein. Il y a pas de différence. Très bien. Eh bien, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir pour le premier rendez-vous en scléral. Comme d'habitude, on est disponible au téléphone, par mail sur les liens suivants. Et je pense qu'on peut vous souhaiter une bonne soirée. On espère que ça vous a plu. On reviendra donc avec des démonstrations pratiques également. Et puis aussi la suite de la théorie concernant l'examen et les prochains rendez-vous. En pratique, ça peut être assez intéressant. Ouais, ça peut être chouette. Ouais. Donc on essaye de mettre ça en place rapidement et puis on vous préviendra, on fera un live dédié. Ouais. Super, et eh bien merci Guillaume, bonne soirée tout le Ben, monde, merci à vous. et puis on Et se dit puis, à lundi prochain. ouais, à lundi prochain, avec plaisir. Allez, à lundi. À lundi. C'est bon. Bon, mon PC, il est vraiment limité. Là, on arrive au retranchement, tu vois. Parce que du coup, ton son est un peu plus saccadé. J'ai eu des pertes d'image de temps en temps. C'est un peu plus dur, ouais. Parce qu'en fait, le fait de faire l'image un peu plus petite, là, tu vois, je pense que ça lui demande des ressources pour la redimensionner.